Reporter Le Doc, c'est un nouveau numéro du magazine de reportage long format de la rédaction de France 24. On va parler du paludisme, également appelé malaria. La maladie fait près de 500 000 morts par an, principalement en Afrique. La situation est d'autant plus préoccupante que depuis plusieurs années, les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible et pourtant, on sait depuis très longtemps qu'une plante soigne efficacement la maladie. Cette plante, venue de Chine, qui s'appelle l'artémisia, est pourtant déconseillée par l'OMS et interdite dans un certain nombre de pays. Mais que cache cette interdiction? Peut-être les intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait de la malaria un business. En tout cas, le débat fait rage entre partisans et adversaires de cette médecine naturelle. L'enquête que vous allez découvrir se concentre sur Madagascar, où s'est rendu le réalisateur Bernard Creuset. Ceci est un champ d'Artémisia à Noa. C'est aussi un champ de bataille où se déroule l'un des ultimes combats contre la malaria. La maladie fait chaque année 500 000 victimes, en majorité des enfants. Nous sommes à Madagascar. Ces paysans récoltent l'Artémisia à Noa, une armoise originaire de Chine. Certains voient dans l'Artémisia une plante dangereuse. Elle est d'ailleurs interdite en France et en Belgique. Pourtant, elle n'est pas toxique et ce n'est pas une drogue. L'artémisia n'est dangereuse que pour ceux qui font de la malaria un business. Très important, c'est urgent parce que les populations, chaque année, nous perdons des millions d'enfants. We'll have to have drugs and vaccines and other things to do these eradications. C'est des histoires de pouvoir et d'argent et de territoire, et c'est toujours ça. Ce qui se passe aujourd'hui est véritablement terrifiant. La solution est sous nos pieds. Cette plante est interdite en France. Artémisia! There are so many other anti-malarial compounds in the plant. Un grand dépôt pharmaceutique m'a dit, mais là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Pour comprendre les enjeux de cette histoire, une piqûre de rappel s'impose. La malaria, qu'on appelle aussi paludisme, est une maladie causée par un parasite transmis par un moustique, l'anophèle. Il y a plusieurs formes de malaria. Celle qui nous intéresse est la plus sévère, causée par un parasite appelé Plasmodium falciparum. La maladie se manifeste par des fièvres violentes et des sueurs qui peuvent dégénérer en coma à l'issue fatale. Les enfants sont les principales victimes de la malaria. Dans certaines zones très touchées, un enfant sur cinq en meurt. Depuis la nuit des temps, l'homme fait la guerre à la malaria sur deux fronts, la lutte contre le parasite et la lutte contre le moustique. Pour combattre l'anophèle, on a surtout utilisé des insecticides, comme le DDT, qui a débarrassé les pays industrialisés de la maladie. En 1964, il n'y a plus de malaria en Europe. Les hommes se protègent aussi des piqûres en se réfugiant sous des moustiquaires. Depuis la fin des années 80, certaines sont imprégnées d'insecticides à effet longue durée. Recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, elles sont souvent distribuées gratuitement. Parallèlement à la lutte contre le moustique, s'est organisée la lutte contre le parasite.
L'écorce d'un arbre offre la première substance naturelle anti-malaria, la quinine. La quinine est plus tard isolée, synthétisée et commercialisée sous l'appellation de chloroquine. Autour de la malaria, le business commence. C'est la guerre du Vietnam qui va révéler l'existence d'un traitement alternatif. Les soldats américains prennent de la chloroquine pour se protéger de la malaria. En face, les troupes communistes n'ont pas de traitement et les combattants sont décimés par la maladie. Le dirigeant communiste Ho Chi Minh fait alors appel au grand frère chinois qui propose de lui envoyer une plante médicinale connue depuis des siècles en Chine, le Tsinghao, nom scientifique Artemisia annua. Des tonnes d'Artemisia sont acheminées vers le Vietnam et consommées en tisane par les combattants communistes. Elle fait l'effet d'une potion magique et contribuera à la victoire des Viet Cong. Certains y verront le premier succès de la médecine naturelle sur la médecine conventionnelle. Les Chinois lancent le projet 523, une vaste recherche qui vise à isoler les principes actifs des plantes médicinales, dont l'artémisia. Étrangement, les Occidentaux ne vont pas s'intéresser à cette plante. L'Organisation mondiale de la santé continue à recommander la chloroquine et autres dérivés. L'OMS estime que la chloroquine a fait reculer la maladie partout dans le monde. Mais son administration massive a aussi généré des résistances. Dans les années 70, on a vu l'émergence de la résistance à la chloroquine en Asie du Sud-Est et peu de temps après, on a vu l'émergence de la résistance en Amérique du Sud. Cette résistance a commencé à s'étendre de l'Asie du Sud-Est et elle a atteint l'Afrique à la fin des années 70, début des années 80. Le Colombien Germán Velázquez était directeur à l'OMS à cette époque. En ce qui concerne la malaria, la OMS n'a pas pris action vite au moment où on a commencé à avoir la résistance à la chloroquine. Et donc, les produits qui sont venus après à remplacer la chloroquine ont arrivé parfois très tard. Début des années 80, la malaria recommence à tuer en masse. Cette situation catastrophique va précipiter le retour en grâce de l'artémisia annua. Le projet 523 des Chinois a abouti à l'isolement d'une molécule baptisée artémisinine, censée être l'unique principe actif de l'artémisia annua. Au début des années 2000, les médicaments chinois à l'artémisinine commencent à circuler en Afrique. Alexandre Poussin est l'un des premiers occidentaux à avoir testé ces médicaments en 2001. Avec sa femme, Alexandre remonte l'Afrique du sud au nord à pied. On a bel et bien repris la marche, et cette fois-ci au fond du rift. Là, nous marchons entre le lac Manyara et le lac Natron. Le couple est au Kenya, quand Alexandre est pris d'une crise de malaria. Quand on a eu notre première crise, j'ai voulu tester sur moi-même ce médicament chinois. Bon, c'était un peu culotté, mais c'est vraiment vrai, je l'ai fait. Et en 24 heures, j'allais mieux, en 48 heures, j'étais guéri. J'avais plus de symptômes, j'étais pas guéri. Ça, je l'ai su plus tard, mais ça a fonctionné. Ce qu'Alexandre ignore alors, c'est que le médicament chinois à l'artémisinine est très efficace pour détruire en quelques heures la majorité des parasites de la malaria. Mais certains échappent au traitement. Il faut de toute urgence le combiner avec une autre molécule qui va éliminer les derniers parasites. C'est le début des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, les ACT. L'OMS va imposer les ACT à tous les pays où sévit la malaria. Le marché explose, avec pour conséquence une pénurie de la matière première, l'artémisia annua. Les cultivateurs, principalement asiatiques, ne parviennent pas à suivre. Le prix d'achat de l'artémisia atteint des sommets en 2005. C'est le moment que choisit une entreprise franco-malgache pour se lancer dans la production d'artémisia annua à grande échelle. Le business model de l'entreprise est simple. Elle prodigue des conseils aux paysans locaux pour qu'ils commencent à cultiver la plante, en leur promettant de racheter leur production à un prix fixé d'avance. Récompte-t-il, poule ?
10 000 paysans malgaches se laissent séduire par la perspective d'un bon rendement supérieur à celui du riz. En une saison, un cultivateur peut gagner jusqu'à 700 euros cash. C'est une aubaine dans ce pays où une grande majorité de paysans disposent de moins d'un euro par jour. L'odeur de l'artémisia séchée parfume désormais les villages malgaches. Mais il s'agit d'une culture d'exportation pour produire des médicaments, et non pour soigner directement la population de Madagascar avec la plante. Quelques paysannes ont bien compris l'intérêt d'un circuit court. Si on a la malaria, dès qu'on a de la fièvre, on ajoute une petite pincée d'artémisia et on le boit, et la fièvre disparaît. En 2001, Alexandre Poussin accomplit toujours son Africa Trek. On se souvient qu'il avait été soigné par un médicament chinois à l'artémisinine. Soigné, mais pas guéri. Il fait une nouvelle crise de malaria en Éthiopie. J'ai eu le falciparum, le neuropalu, et là, on n'avait pas le traitement chinois. J'avais des signes aigus d'un paludisme qui aurait pu m'emporter. Ça faisait 3 jours que je l'avais, on est arrivé un peu en perdition dans le dispensaire, et on m'a administré de la tisane d'artémisia. La même plante, mais pas sous forme de gélules ou de comprimés faits par un laboratoire, la plante en tisane. Et j'ai bu 3 litres de cette tisane en une journée. Et le soir même, j'allais beaucoup mieux, je me levais. Et le lendemain soir, j'avais plus de symptômes. J'étais plus malade. Et à ce jour, 15 ans après, j'ai toujours pas eu de rechute. J'ai le palu, mais il n'est jamais revenu. Et je ne me suis jamais soigné donc avec une thérapie occidentale. Relaté dans son livre vendu à plus de 400 000 exemplaires, cet épisode va intéresser des médecins, des herboristes, des humanitaires. Mais ils vont se heurter au dogme. L'Artemisia annua est une jolie plante, une astéracée, qui est très efficace mais interdite en France. Efficace mais interdite. Interdite par le gouvernement, par le Codex Alimentarius, par l'OMS, par plein de gens qui travaillent en poule avec les laboratoires pharmaceutiques et avec l'ordre mondial aujourd'hui. Nous avons ensuite tenté notre chance dans une herboristerie spécialisée. Sur les étagères, à côté de l'artichaut, pas d'artémisia. Il arrive très souvent que des gens viennent nous demander cette plante, effectivement, quand ces personnes vont voyager, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et vous leur répondez ? Et je leur réponds que malheureusement, la réglementation française ne nous autorise pas à disposer de cette plante. En Belgique, un arrêté royal de 1997 répertorie les plantes dangereuses qu'il est interdit de vendre ou consommer. Parmi elles, l'artémisia annua, pourtant nullement nocive. Curieusement, elle est autorisée au Luxembourg voisin, où vit le professeur Pierre Lugen. Il a travaillé longtemps pour des multinationales de la chimie. À l'âge de la retraite, il a rejoint une ONG active dans la lutte contre le paludisme. C'est à ce moment-là qu'il a fait connaissance avec l'artémisia et qu'il en a senti tout le potentiel. On a fait des programmes de plantation au Pérou, au Cameroun. On a lancé des bourses avec des Sénégalais et des Péruviens, tout ça financé par notre ministère de la Coopération et par le Fonds national de la recherche. Très bien, jusqu'au jour où on a eu un choc. Voilà que, on le sait maintenant, les délégués de l'OMS, de Big Pharma et de l'Institut des maladies tropicales d'Anvers ont rendu visite à notre ministère de la Coopération pour lui dire qu'il finançait des activités qui n'étaient pas de son ressort, que les maladies, c'était du ressort des sociétés pharmaceutiques et de Big Pharma. Et il s'est incliné et nous, du jour au lendemain, on nous a coupé tous les fonds. Un brin candide, Pierre Lugen pense pouvoir convaincre l'OMS de changer d'avis. En 2012, il obtient un rendez-vous au siège de l'organisation à Genève. L'accueil est courtois, sans plus. Un mois plus tard, l'OMS publie sur son site une sévère mise en garde.
L'OMS ne recommande pas l'utilisation des extraits d'Artemisia noix sous n'importe quelle forme, y compris la tisane, pour le traitement ou la prévention de la malaria. Pour Pierre Lugène, c'est un véritable camouflet. Et on a dit non. On n'a pas le droit d'interdire de guérir des gens avec une herbe médicinale. C'est contre les traditions, c'est contre le bon sens. On a relancé les activités avec des plantations et ça a très bien démarré. Malgré les réticences de l'OMS, des centaines de chercheurs travaillent aujourd'hui sur l'Artemisia en Afrique, mais aussi en Colombie ou au Cambodge. Le soleil du Sénégal lui réussit particulièrement bien. Les scientifiques sont de plus en plus nombreux à s'investir dans la recherche sur l'Artemisia parce qu'ils sont convaincus de l'efficacité de la plante pour soigner la malaria. Tous se demandent ce qui justifie la méfiance de l'establishment médical à l'égard de l'Artemisia à noix. L'argument le plus souvent invoqué est le sacro-saint principe de précaution. Tant qu'on ne connaît pas toutes les propriétés de la plante, il faut s'abstenir de l'utiliser. Mais ce principe de précaution est-il aussi strictement appliqué aux produits des firmes pharmaceutiques ? Le Lariam est un médicament antipaludique qui continue d'être prescrit, alors que ses effets secondaires peuvent être dévastateurs, particulièrement chez les personnes sensibles. Autre question dans l'actu du moment, comment va Stromae? Le chanteur est KO physiquement, il vient d'annuler toute une série de concerts, jusqu'au 2 août exactement, un silence assourdissant. J'ai subi des effets secondaires du Lariam. Ça m'est arrivé en juin 2015. C'était dans le cadre de ma tournée en Afrique. J'étais stressé, j'étais épuisé. Tout prédisposé à péter un plomb, ça c'était sûr, mais l'accélérateur c'était le Lariam, quoi. Pendant le concert, je m'en rendais pas compte parce que j'étais persuadé de la folie dans laquelle j'étais. Évidemment, on n'a pas le recul. C'est de la paranoïa, c'est plein de trucs. Et puis mon frère a eu le déclic et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé, quoi, cette nuit-là, ça c'était sûr. Je pèse bien mes mots quand je dis ça. Et s'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je pourrais vous parler aujourd'hui. La star belge n'est pas la seule à avoir souffert du Lariam, dont le nom générique est Méfloquine. De très nombreux vétérans de la guerre d'Irak qui prenaient ce traitement ont connu des troubles psychologiques graves, allant jusqu'à commettre des meurtres gratuits. Plusieurs associations veulent interdire la molécule. Malgré des effets secondaires redoutables et des procès dans plusieurs pays, la méfloquine figure encore sur la liste des médicaments essentiels recommandés par l'OMS. Dans le même temps, l'organisation refuse de reconnaître les vertus thérapeutiques de l'Artemisia à noix, pourtant inoffensive. Deux poids, deux mesures. Cette inertie des institutions et ce désintérêt de l'industrie pharmaceutique pour une maladie de pauvres va amener plusieurs âmes charitables à prendre les choses en main. À Paris, nous avons rencontré le docteur Lucille Cornet-Vernet, une orthodontiste très impliquée dans la promotion de l'Artemisia et amie d'Alexandre Poussin. Alexandre nous a reparlé en fait de sa guérison par la tisane d'Artemisia en Afrique lors de son périple. Et là, je me suis rendu compte que c'était une histoire qui était vraiment vraie. C'est-à-dire que cette tisane d'Artemisia, à noix, soigne vraiment le palu. Et aujourd'hui, le problème principal qu'il y a, c'est que... Il n'y a rien dans ce monde, en fait, aucune institution qui est capable de faire les études et puis ensuite de diffuser cette thérapeutique par une plante. Et tout a démarré, en fait, de là. On s'est dit, chiche, on monte une association pour pouvoir développer, en fait, la culture de l'Artemisia en Afrique. Des dizaines d'associations similaires se créent partout en Europe afin de promouvoir l'Artemisia. Ces initiatives sont la cible de critiques parfois virulentes de la part de ceux qui défendent le principe de précaution. En 2012, le célèbre Institut de médecine tropicale d'Anvers prend position contre l'utilisation de l'Artemisia à noix. On n'est plus au Moyen-Âge. Utiliser des infusions ou des gélules dont la quantité de produits actifs n'est pas connue, est à mon avis irresponsable. Je n'oserais jamais donner ceci
à mon propre enfant, parce que je ne suis pas sûr qu'il va guérir et qu'il pourrait mourir du paludisme, pourquoi est-ce que je devrais le donner à quelqu'un qui vit en Afrique ? En Afrique, justement, des chercheurs mènent des études de terrain pour prouver que l'artémisia est efficace et sans danger. Nous sommes à Kindu, sur le fleuve Congo, dans la province du Maniema. Le docteur Jérôme Munyangi est un jeune chercheur congolais qui prend des risques. Après 3 heures de piste, le docteur Munyangi est accueilli comme l'enfant prodige dans son village natal. Les écoliers font la fête à l'homme qui les débarrassera peut-être de la malaria. Le parcours du docteur Jérôme Munyangi est emblématique des difficultés rencontrées par les Africains qui défendent une médecine adaptée aux conditions du continent. Mon premier contact avec l'artémisia, suite à une crise de paludisme que je fais à Kinshasa, c'était un paludisme résistant, parce que j'avais déjà pris des antipaludéens, ça ne marchait pas. Et un ami qui travaille déjà avec l'artémisia m'a proposé la plante comme traitement. Je lui ai dit, bon, je n'aime pas les charlatans avec les plantes, qui traitent avec des plantes. Il a insisté beaucoup. Et le troisième jour, je me sentais déjà très bien. Il n'y avait plus de maux de tête, il n'y avait plus de fièvre, ainsi de suite. Et à la fin du traitement, le septième jour, je suis parti refaire les examens des laboratoires. Tout était vraiment très bien. Je n'avais plus de plasmodium. Et voilà, et c'était mon premier contact avec la plante artémisia. Impressionné par ce résultat, le docteur décide de consacrer la suite de ses études à la plante. Son diplôme de médecine et quelques feuilles d'artémisia sous le bras, il entame une maîtrise S-Sciences à Paris. Après 3 semaines d'analyse, nous étions vraiment très, très, très étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaille avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui me dit, voilà, et ça c'est une bombe. Et on ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier des laboratoires où il y avait des manipulations. Et tous les échantillons d'artémisia que j'avais amenés au laboratoire étaient confisqués. On a amené ça au bureau du directeur des laboratoires. Pratiquement exclu de l'université et privé de bourse, le docteur Munyangi refuse d'abandonner. Il prend contact avec Lucille Cornet-Vernet, qui va l'aider à poursuivre ses recherches. Nous avons décidé ensemble, en fait, de monter une grande étude aux normes de l'OMS, donc c'est un peu compliqué, c'est randomisé en double aveugle, etc., sur un échantillon significatif de personnes, donc là on a fait sur 1000 patients, et donc j'ai à ce moment-là commencé à chercher les fonds. Donc ces études ont été financées en fait par des amis, par des fondations, par des entreprises, simplement parce qu'ils croient vraiment qu'une plante peut être la solution pour ce fléau apocalyptique qu'est le palu en Afrique. Une fois le financement acquis, le docteur débute l'étude au Maniema. Mille patients porteurs du falciparum sont identifiés. 500 prendront de la tisane d'artémisia et un médicament placebo. 500 autres, un médicament ACT et une tisane placebo. Le docteur Michel Idumbo est l'investigateur principal de l'étude. On diagnostique le paludisme, on prélève l'échantillon, donc le sang, avant le traitement, puisque ce sang-là devrait être examiné à un laboratoire
du niveau supérieur, là où on peut, faire la numération des charges parasitaires. Et à ce moment-là, on mettait de façon aveugle un groupe de malades sous la tisane et un autre groupe de malades sous les ACT. Et nous avons fait 4 mois en train de récolter les données chaque jour. Donc, avec les ACT et la tisane, les deux avaient un bon résultat clinique. Mais quand vous faites la parasitologie, vous allez trouver que les malades qui étaient sous tisane, il y avait disparition de la charge parasitaire. Mais tandis que les malades qui étaient soumis sous traitement ACT, il y avait encore des parasites dans l'air, sans même si leur état clinique était déjà amélioré. Oui. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 97%. Et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui ? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit, j'interdis, cette conférence n'aura pas lieu, et je préfère que Jérôme puisse taire et pas communiquer ses résultats à la population. Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT, et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. À votre avis, d'où viennent ces ennuis ? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achetaient plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Lorsque les médecins congolais parlent des firmes pharmaceutiques, ils ne font pas référence aux multinationales cotées en bourse. Les pressions s'exercent au niveau provincial. Ce n'est pas Big Pharma qui est à la manœuvre, mais les dépôts pharmaceutiques locaux. Après l'étude, les villageois adoptent la tisane dont ils ont été les cobayes. J'avais souvent la malaria avant. Mais depuis que j'ai participé à l'étude, je n'ai plus eu la malaria. Moi, j'ai toujours eu la malaria. Mais en prenant la tisane d'Artemisia, je me suis senti beaucoup mieux. En 2016, à l'école du village, une autre expérience a été menée pendant 6 mois. Les enfants boivent la tisane d'Artemisia 2 fois par semaine, à titre préventif. Aucun écolier n'a attrapé la malaria durant cette période. Pour qu'elle soit validée, il faudrait étendre la recherche à des milliers d'écoliers. En attendant, l'instituteur est absolument enthousiaste. La situation de prendre l'Artemisia est pour nous une situation très favorable et rentable pour notre vie et pour la vie de nos élèves. Nous avons remarqué que la prise de l'Artemisia a diminué l'absentéisme, même les absences étaient terminées. Le docteur Munyangi a profité de l'étude pour en mener une autre. Les patients sous tisane étaient en fait répartis en 2 sous-groupes. 250 prenaient de l'Artemisia annua et les autres de l'Artemisia afra, l'espèce africaine. Celle-ci ne contient pas d'artémisinine, qui est censée être le principe actif anti-malaria. Les résultats s'avèrent parfaitement identiques dans les 2 sous-groupes. Ce qui prouve que l'artémisinine, dont les labos ont fait un médicament, n'est pas l'unique substance à effet thérapeutique. Un sacré pavé dans la mare.
L'étude du Dr Munyangi est achevée depuis 2015. Pour avoir un impact sur la communauté scientifique, il faut qu'elle soit publiée dans un journal médical de référence. Or, les responsables éditoriaux sont méfiants à l'égard des remèdes à base de plantes. Les Africains ne sont pourtant pas les seuls à révéler les vertus de l'artémisia. Au Worcester Polyclinic Institute, à une heure de Boston, nous avons rencontré le professeur Pamela Weathers, qui s'intéresse à l'artémisia annua depuis 25 ans. Au départ, elle n'étudiait que l'artémisinine. Nous avons toujours été intéressés par l'artémisinine et nous étudions encore sa biosynthèse. Mais aujourd'hui, nous savons que l'ensemble de la plante favorise la pénétration de l'artémisinine dans le corps. Et nous avons vu aussi qu'elle contient beaucoup d'autres composants anti-malaria. Et donc, nous adoptons maintenant une approche beaucoup plus holistique. Cette plante est passionnante parce qu'elle contient plus d'un médicament, plus que deux ou même trois. En fait, elle en contient probablement une dizaine. Nous avons réussi à prouver sur des rongeurs que la plante pouvait combattre la malaria qui résistait à l'artémisinine seule. Cela ouvre des perspectives énormes pour combattre des parasites résistants, mais aussi pour éviter l'émergence de résistance chez les humains. La question de la résistance divise les deux camps qui s'affrontent aujourd'hui. Pour ou contre l'artémisia. Les sceptiques pensent que l'utilisation de la tisane à grande échelle pourrait générer des résistances, préjudiciables à l'efficacité des médicaments ACT. Pour les pro-artémisia, cet argument ne tient pas. Cela fait 2000 ans que la tisane est utilisée en Chine sans qu'aucune résistance ne soit apparue. Ce que la science ne parvient pas encore à démontrer, l'histoire l'a déjà mis en évidence. Et si la réponse était dans la nature ? L'artémisia annua et sa cousine africaine sont en fait des polythérapies. C'est la combinaison de leurs différents composants qui donne aux plantes leur pouvoir thérapeutique. Il faut donc les utiliser en totum, en entier, et non essayer d'en isoler un seul principe actif. L'OMS apparaît aujourd'hui comme le principal frein à la diffusion de l'artémisia annua. Officiellement, à cause du principe de précaution. Mais peut-être aussi pour des raisons politiques et financières. Il y a exactement 25 ans, les budgets de la OMS, les plus de 50% étaient les contributions publiques obligatoires des pays membres de la OMS. Aujourd'hui, 20 ans après,